esprit de sagesse. Détache-nous des biens de la terre. Donne-nous amour et saveur pour les choses du ciel. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Tous Esprits Saints, enflamme-les. Viens, Esprit d'intelligence, viens nous combler de ta grâce. Donne lumière à nos âmes, sanctifie nos pensées. Viens, Esprit Saint. Bonjour amis de la miséricorde, bienvenue pour ce temps de prière béni que nous allons partager en ce vendredi 10 décembre. Et on continue à prier pour Marie, avec Marie, puisqu'aujourd'hui c'est Notre-Dame de Lorette qui est dont c'est la fête. Alors c'est un sanctuaire où nous aimons beaucoup aller. D'ailleurs, tous les grands de l'Église y sont passés. Je pense par exemple à François d'Assise, tous les papes sont allés se recueillir sur la maison de Marie qui a été transportée depuis Nazareth à Lorette. Alors ça ne s'est pas fait en un seul voyage, ça s'est fait en plusieurs temps, mais aujourd'hui, voilà, cette maison est là et des marées de pèlerins viennent se recueillir dans cette maison. La maison du oui de Marie, la maison où Jésus a grandi, la maison du travail de Saint Joseph, la maison voilà, qui nous rejoint dans notre vie humaine. Nous allons aussi donc une petite explication sur l'Avent qui est l'attente d'une fille de Sion. Et puis nous allons prier à toutes vos intentions et en particulier pour les saintes âmes du purgatoire, l'âme d'Antonine, de Guylaine, de Philippe, de Colette, de Michel, qui sont partis récemment vers la maison du Père. Nous prions pour tous les membres de nos familles. Bien sûr, on pense aux parents, aux grands-parents, mais aussi aux oncles, aux tantes, aux cousins, aux cousines, voilà, tous les membres de nos familles. Nous prions pour ceux qui sont victimes d'accidents. Et aujourd'hui, il y a encore de la neige partout, un peu partout. Ne prenez pas de risques. Prions pour tous ceux qui sont surpris justement par des accidents et qui se retrouvent à l'hôpital. Nous prions pour Berthe, Robert, Valérie, Kenny et Alexander qui ont besoin de prières. Nous prions pour tous les enfants qui sont égarés, pour tous les malades, en particulier Mélia, Daniel et tous ceux que nous portons dans nos cœurs. Pour les prêtres malades, le Père Jean-Claude, pour les prêtres défunts, pour Philippe, Colette, Michel qui sont en fin de vie et tous les mourants de ce jour. Pour les femmes stériles, Stéphanie, Audrey. Eh bien aujourd'hui, c'est les mystères douloureux du rosaire de la fécondité qui va vous rejoindre complètement. Nous prions pour ceux qui recherchent un travail, pour la conversion de nos dirigeants, de tous les pécheurs et de nos familles. Et tout à l'heure, nous ferons une prière du pape François pour demander l'arrêt de la pandémie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé,
notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et Seigneur, nous voulons te remettre aujourd'hui dans ton cœur miséricordieux, dans ton cœur d'où sourdent les grâces. Toutes ces femmes qui attendent un enfant, qui voudraient être fécondes, tous ces couples qui voudraient avoir la joie immense de serrer contre eux l'enfant que tu leur as donné. Nous te les confions puisque nous sommes dans cette neuvaine de Notre-Dame de l'île Bouchard, Notre-Dame de la prière. Et puis nous allons vers Notre-Dame de Guadeloupe, la patronne des enfants à naître, dimanche. Voilà, nous te remettons toutes ces femmes, Seigneur, par l'intercession de Marie. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, prions avec le pape François pour demander l'arrêt de la pandémie. Il nous dit « Arrêtez ce que vous faites, inclinez la tête et dites cette prière. Père éternel, tu as fait que le monde entier s'arrête de marcher pour un temps. Tu as fait taire de force le bruit que nous avons tous créé autour de nous. Tu nous as fait plier les genoux et demander des miracles. Tu as fermé les églises pour que nous réalisions à quel point notre monde est sombre sans toi. Tu as humilié les fiers et les puissants. L'économie s'effondre et les entreprises ferment. Nous avons été très fiers de penser que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons est le résultat de notre travail acharné. Nous avons oublié que c'était ta grâce, ta miséricorde, qui nous a fait tels que nous sommes et nous a donné tout ce que nous avons. Nous tournons en rond à la recherche d'un remède contre cette maladie, alors qu'en fait, nous devons nous humilier et demander conseil et sagesse uniquement à toi. Nous avons vécu nos vies comme si nous étions ici sur terre pour toujours, comme s'il n'y avait pas de paradis, pas de purgatoire, pas d'enfer. Peut-être que ce virus est en fait ta façon de purifier et de nettoyer nos âmes, nous ramenant à toi. Aujourd'hui, alors que ces mots voyagent sur Internet, que tous ceux qui les voient unissent leur cœur et leurs mains dans la prière pour demander pardon, demander guérison et protection contre ce virus, mais surtout, demandez que ta sainte et divine volonté soit faite et non la nôtre. Dieu, nous t'en supplions, délivre-nous de tout mal sur terre si c'est ta volonté. Père, tu as patiemment attendu que nous tournions notre visage vers toi, que nous nous repentions de nos péchés. Nous sommes désolés d'ignorer ta voix. Égoïstement, parfois, nous avons oublié que tu es Dieu. Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison, mais un mot de toi suffira pour me guérir. Toi, Seigneur, tu n'as qu'à dire la parole et nos âmes seront guéries. Nous te demandons la guérison,
la délivrance au nom de Jésus par les mérites infinis de son très sacré cœur et du cœur douloureux et immaculé de Marie. Amen. Voilà, le pape nous ramène à la prière, il nous parle souvent de prière. Et pour répondre un petit peu à cette demande, sur la chaîne, sur Facebook, sur YouTube, vous pouvez vous abonner au groupe qui s'appelle « Un jour, une neuvaine » et vous aurez tous les textes, tous les liens pour aller pour prier justement à chaque neuvaine que Étoile Notre-Dame va vous proposer. Allez sur Facebook Étoile Notre-Dame et trouvez le groupe Amis, trouvez le groupe Un jour une neuvaine et vous allez pouvoir vous abonner, vous recevrez tout ça automatiquement. Voilà. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Là où le mal abonde, la grâce surabonde et nous avons confiance en toi. Alors bénis-nous Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de journée, priez bien. Et je vous donne rendez-vous demain pour l'heure de la miséricorde. À demain !